J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait pas très beau. J'ai plus de chauffage. Mon feu est tombé en panne. On attend la pièce. Il fait un peu frais, mais j'ai allumé les radiateurs électriques. Donc, bon, voilà. En attendant que le feu soit réparé, ça, c'est mieux que rien. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting. Je voulais juste vous montrer. Ça va être rapide. Je voulais juste vous montrer, j'ai une perle qui est partie là, qui est toute seule. Vous montrer mon avancée du Diamond Painting partenariat à Diamond Painting. Je ne sais pas comment on le prononce. À Diamond Painting. Bon, voilà. Donc, c'est une toile que j'ai reçue, que je n'avais pas choisie. On me l'a envoyée. Alors, je ne suis pas déçue parce que le modèle est très joli. Et franchement... sur toutes les toiles que j'ai faites, j'en ai pas fait des tonnes non plus, mais c'est vraiment celle que je préfère. Pourtant, la fée clochette, voilà, hein, c'est. j'ai adoré la faire, le design est très beau, mais je vous parle pas de dessin, je vous parle vraiment de toile, de qualité de la toile. C'est vraiment. Si vous devez aller acheter quelque chose, franchement, cette boutique, c'est excellent. Vraiment. En plus, c'est la toile, ben, je sais que vous ne le voyez pas, hein, mais c'est pas grave. Mais la toile, elle brille en fait. C'est brillant. Et je trouve que ça fait super joli. Donc, je vais bien le recoller. Je vais vous montrer où j'en suis. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps et franchement, c'est tellement beau que j'avance à vitesse grand V. J'en suis déjà à, on va dire, un tiers. Et. Franchement, les diamants sont parfaits. La toile, alors elle est un peu pliée, mais je la mettrai après quand elle sera finie sous quelque chose pour l'aplatir. Mais franchement, la qualité, c'est vraiment top. Donc, j'espère pouvoir refaire un partenariat avec cette boutique parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Ça colle super bien. Les diamants, tout est... Enfin, hein, on ne peut pas ne pas voir. Dans des petites poches comme ça zippées, et ça c'est excellent parce que moi normalement j'utilise ces boîtes de chez Action où je mets les, voyez, les lettres dessus. Là j'en ai un en cours, donc voilà. Mais vous avez, je vous ai pris celle qui ferme comme il faut, mais j'en ai d'autres où ça ferme pas, voyez, hop, ça tient pas fermé, donc c'est assez problématique. Faut vraiment faire attention de pas le trimballer. Bref, c'est un peu galère. Là, c'est dans des petits sachets. Ils sont tous zippés. Même ma petite colle, je l'ai mis dans un sachet. Après, j'ai pris cette petite pochette et je mets tout dedans. Et je peux me le trimballer où je veux. Franchement, c'est impeccable. Donc, vraiment, si j'ai une toile à vous recommander, si j'ai une boutique à vous recommander pour l'instant, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment... Après, j'ai jamais acheté sur AliExpress ou quoi que ce soit, je ne peux pas vous dire. Mais vraiment, cette boutique, j'ai fait déjà, j'ai fait 3 partenariats de Diamond Painting. Et donc, j'ai fait le premier, voilà, je vous ai montré, vous avez vu les vidéos. Le troisième, je ne l'ai pas encore commencé, mais celui-ci, vraiment, il est... Bon, j'ai des diamants qui sont pas très droits. Je l'ai fait le soir dans mon lit, donc des fois, j'y vois pas trop. Mais c'est pas grave, franchement. La toile, elle est juste parfaite, quoi. Donc voilà, je vais pas trop blablater parce que rester assis sans rien faire quand vous avez pas de chauffage, et ben, franchement, on attrape vite froid. Donc, j'essaye de me remuer le plus possible. Là, je vais aller travailler. Les enfants vont passer les mercredis après-midi dans la dans leur chambre parce qu'il y a les radiateurs électriques là-haut. Donc, on sera au chaud. Même si en bas, ça commence à chauffer. Hein. Ça fait depuis dimanche, on n'a pas de chauffage. Là, j'ai rallumé les radiateurs électriques. Donc, ça commence à réchauffer un peu. Mais un petit radiateur pour une grande pièce, c'est un peu compliqué. Mais bon. Donc...
Là, on commence à avoir un peu plus chaud, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Donc là, vous voyez, vous avez en haut et en bas, vous avez les nuanciers. Donc, vous avez le numéro donc, qui est inscrit sur le sachet. Vous avez à côté le petit symbole et ensuite la référence DMC que moi, je marquerai après avec des petites étiquettes sur les sachets. Comme ça, si je tombe en panne et que j'ai besoin pour un autre diamond painting, je sais que je les ai, voyez. Hop, ici, vous l'avez deux fois, une fois en haut, une fois en bas. Et ici, en bas, vous avez même, bon, c'est en anglais, mais vous avez même la petite notice. Les petites explications, quoi. Comment faire... après, c'est en anglais, hein, donc moi, personnellement, j'y comprends rien. Mais franchement, elle est vraiment top, quoi. J'adore. Bon, après, ma fille a dit, c'est dommage, tu l'as pas eu avant parce qu'on aurait pu le mettre dans la maison pour Noël. Mais c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. J'encadrerai et voilà. Et franchement, moi, je la trouve parfaite. Vraiment parfaite. Il n'y a rien à dire. Je suis vraiment fan de cette boutique. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà fait peut-être avec cette boutique. Vous avez peut-être... me donner votre ressenti parce que ben, parfois on peut aimer une toile, enfin, aimer quelque chose qui vient d'une boutique et quelqu'un d'autre va pas forcément aimer parce qu'il a eu une mauvaise expérience. Voilà, moi c'est la première toile que je reçois d'eux. J'espère qu'on pourra en refaire justement pour voir si je suis vraiment tombée, j'ai eu de la chance. Mais là vraiment elle est top, quoi. Moi, j'ai rien à dire. Je l'aime beaucoup, cette toile. Et je suis très contente. Vous voyez, on va en faire quelques-unes ensemble. On ne va pas en faire des tonnes parce que je ne sais pas quelle heure il est. Mais je pense que les enfants vont pas tarder à rentrer de l'école. Aujourd'hui, bah ouais, j'ai fait un grand ménage. On est mercredi. Au lieu de scraper, normalement, je fais des vidéos le mercredi. Mais là, vraiment, j'ai trop froid pour rester assise sans rien faire. Donc, j'ai fait un grand ménage. Et là, je me pose pour faire cette petite vidéo. Mais, bon, vous voyez, je suis là. C'est un peu compliqué, on va dire. Mais là, vraiment, j'adore. Elle est vraiment topissime. Comme vous avez déjà vu, je ne me gêne pas pour dire quand c'est pas parfait. Mais là, vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Donc, j'espère qu'ils me reproposeront un partenariat avec eux. Et j'aimerais bien, bon, cette fois-ci, si je peux choisir ma toile, ce sera encore mieux parce que j'aimerais tester les diamants carrés. Donc après, s'ils me proposent un partenariat où je sois choisis pas ma toile, je le ferai quand même, mais je pense que j'achèterai quelques toiles là-bas parce que vraiment moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors, si vous avez déjà fait des toiles qui viennent de chez eux, hein, dites-moi, donnez-moi votre avis en commentaire. Ça me ferait vraiment... je serais curieuse d'avoir votre retour. Voir si vous en êtes contente comme moi ou pas. Mais là, vraiment... je suis très contente. Puis je trouve que ils auraient pu m'envoyer un truc pas terrible, quoi, un dessin. Voilà, pas. Mais là, franchement, pour un truc que j'ai pas choisi, je trouve que je suis bien tombée, en fait. Ils m'ont pas dit, ils se sont pas dit, on va lui envoyer, elle va pas choisir, on va lui envoyer une toile pourrie. Enfin, un motif. Voilà. Mais là, franchement, je suis contente, quoi. Je suis vraiment contente. Il est super beau. J'aime bien faire ça le soir dans mon lit parce que franchement, après la journée de travail,
ben ça me fait du bien. Des fois, il n'y a de rien à la télévision. Après, j'aime bien regarder hein, la télé, les séries, tout ça. Mais des fois, il n'y a rien à la télé. Et ben ça me fait du bien, ça me détend, en fait. Donc là, je suis contente. Oh, je n'avais pas vu ça. Hop là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas vous tenir la jambe à poser des perles pendant 2 heures. Ça sert à pas grand-chose. Et puis, je vais essayer de tourner derrière une autre vidéo vite fait aussi pour vous montrer mon avancée de la peinture au numéro. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré et j'ai bien avancé. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les liens de la boutique et du Diamond Painting en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est plus simple pour moi par mail. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager les vidéos, liker, commenter. Et j'en profite également pour remercier toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées cette semaine. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. J'espère, enfin voilà, je suis contente du nombre d'abonnés que j'ai. Hein. Je ne cherche pas à exploser les records. Mais franchement, ça fait plaisir de voir les personnes qui viennent s'abonner, qui me disent que les vidéos leur plaisent. Voilà, vous êtes tous gentils, bienveillants et ça, ça fait beaucoup de bien. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous montrerai l'avancée dans quelques semaines, je ne sais pas quand. Mais voilà, quand je serai à peu près aux 2/3, je viendrai vous refaire une petite vidéo pour vous montrer. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.